on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rubrique, le Zap Disney. Cette nouvelle rubrique reprend les actualités de Disneyland Paris mensuellement. C'est parti pour le mois de septembre. Ce mois-ci, une nouvelle collection des Vinylmation est sortie à Disneyland Paris et on peut voir que c'est la Belle et la Bête, cette collection est vraiment magnifique. En septembre, les Tum Tum de la Belle et la Bête seront disponibles sur le parc. La Belle et la Bête est vraiment à l'honneur ce mois-ci, on a de magnifiques nouvelles peluches sur ce thème. Vous pourrez trouver cette toute nouvelle figurine de Mickey Mouse. Une toute nouvelle collection de t-shirts est disponible avec un style polynésien. Vous pouvez trouver les personnages du Livre de la Jungle et du Roi Lion. Début septembre, Disneyland Paris a fait des soldes monstrueuses allant jusqu'à moins 50%. Nous avons du Zootopie, du Réponse, des tasses et une tonne de choses. L'affiche des pins du mois de septembre est disponible, nous avons le Docteur Facilier et Mulan qui sont mes petits chouchous, les pins du semi-marathon, je pense que j'en prendrai un sachant que je ne pourrai pas y participer, et le Pins Trading Day est sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Nous avons la collection des vilains qui est disponible depuis mardi en Tum Tum, la collection de l'étrange Noël de Monsieur Jack également disponible en coffret, et la prochaine édition à sortir le 20 septembre c'est sur Ultimate Spider-Man. Comme vous savez, Big Thunder Mountain est en réhabilitation depuis plusieurs mois. Et évidemment, ce n'est malheureusement pas la seule attraction qui est en réhabilitation ce mois-ci. Nous avons Discoveryland Station qui est fermé jusqu'au 31 décembre 2016. Thunder Mesa qui est encore fermé jusqu'au 16 décembre. La cabane des Robinson avec Adventure Isle et la plage des pirates réouvre le 9 septembre. Le Mad Hatter Teacups était fermé quelques jours et réouvre le 9 septembre. Et le voyage de Pinocchio est fermé tout le mois de septembre jusqu'au 10 octobre. Le village de Pocahontas jusqu'au 16 décembre. Indiana Jones et le Temple du Péril part en rénovation le 12 septembre jusqu'au 30 septembre. Et pour ce qui est du studio, les tapis volants sont fermés jusqu'au 9 septembre. Et Toy Story Mission Parachute jusqu'au 16 septembre. Profitez-en, la Reine des Neiges est encore à l'honneur jusqu'au 18 septembre, avec son spectacle au Chaparral Theater. À son hommage à la Reine des Neiges et son apparition dans le spectacle Dreams. Durant tout le mois de septembre, je vous invite à aller voir le spectacle de Mickey et le Magicien avec son style Broadway qui est juste magnifique. Disneyland Paris organise son premier week-end running pour petits et grands du 23 au 25 septembre 2016. Je ne pourrai malheureusement pas participer à ce running, mais je suis sûr que nous pourrons avoir des images de nos autres youtubeurs. Voilà les amis, j'espère que le Zap de septembre 2016 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré. Comme d'habitude, des petits pouces bleus. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a droit de rêver, alors pourquoi pas vous ?